Vas-y. Petit game chill. Sur notre petit Aatrox. En direct du Challenger. Avec du Tonnerre. Du Tinx. Je sais pas comment on dit son pseudo. Tinx ou Tinx. Ouais. On s'en fout. Et ouais, du coup, on est contre. Contre Mikix qui est super chaud. Je connais pas trop les autres. Donc, vers optimisation glaciale, ça me va. Je préfère ça à la comète. Ça devrait être ok. Attends, j'ai pas vu le message, mince. J'espère te revoir à Montpellier, goût de la café. Merci, Fake. Montpellier, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Mais j'avoue que s'il y a un petit événement prochainement, ça pourrait être cool. Ça pourrait être pas mal. T'apprends rien avec Rocksmith, tu passes ton temps à regarder ton manche au lieu de comprendre ce que tu joues. Ah. En fait, moi, vu que je viens d'avoir ma petite guitare, genre, faut juste que je vois à peu près comment je fais pour me lancer là-dedans. On verra. J'espère t'aimes bien, mon frère. En fait, ça dépendra de lui. Moi, s'il me campe, je t'avoue que ça me met bien. S'il y a un petit sion qu'on met mal en early game, je peux le gérer sans trop de problèmes, normalement. Ça devrait être ok. Merci à la Lacop pour le recep. Appreciate the support, man. Thanks a lot for the support. Ah merde, attendez, c'est un sion. Ça peut mettre des A dans les bouches. Et ça fait mal. Du coup, il faut pas se coller. Faut pas se prendre des damage bêtement. Ah, c'est bien. On fait des beats pour Sarah Jane maintenant. Maléfique. Tous les dons seront reversés à mes modos, oui, bien évidemment. Bon, c'est un petit live chill hein, pour ceux qui viennent d'arriver. C'est en mode tranquille. Hein. Je veux un spam de bon anniversaire pour la meilleure des modos. C'est vrai que c'est la meilleure des modos, elle mérite au moins ce joyeux anniversaire de la part de nos viewers avec plein de petits cœurs. Elle mérite au moins ça. J'ai loupé un CS. Je suis toujours triste quand je loupe un CS, quand je peux ne pas... Enfin, normalement, je devrais pas les rater. Avec Aatrox, je connais très bien le personnage, je sais comment la stit. Et si le mec ne me met pas de pression en early game, je ne dois pas perdre de farm. Du coup, bon, un peu dommage. Merci à LTR TV pour le sub. Marche beaucoup. Ouais, normalement, on doit pas se prendre de full pressure. Donc là, on va faire un trade level 3. Mais, putain, je suis lent. Et voilà, par exemple, celui-là, je devais pas le louper. Attention, faut pas en louper trop en île non plus. Ouais, il faut absolument que je pêche cette wave. Bah ouais, sion optimisation glaciale ne me fait pas peur. Je suis vrai. Ouais, je suis vrai. Je suis bête, j'aurais dû y penser que la Evelyn aurait pu level 3 gank. Genre sion, ça met vraiment zéro pression si c'est sur ce build là. C'est tranquille. Tranquille pépouze. Faut que j'arrête de dire que c'est tranquille quand je fais des moves comme ça juste après. Oh mon dieu, ça a failli être un échec. On va partir sur un early game tranquille. Ça a vraiment failli être compliqué. Merci Fabpywell, c'est gentil. J'avoue, il va falloir que je trouve un petit cadeau à Sarah Jane quand même. Pour me supporter en tant que modo depuis des années maintenant. Heavy trolling, ouais, on a failli troll. En vrai, on n'a pas perdu le flash, donc ça va, mais ça a failli être l'enfer. On peut presque le tuer, le sion. Celui-là, il se sent. Ouais, on fait claquer son flash. Non, ok, il meurt. Bon, il aurait pu flash. J'aurais eu la flemme de le chase. On va pas se plaindre. J'aurais dû maxer le Z, vu qu'on se fait un peu poke. Non, ça va. Ça va. Tranquille. Aucune pression. Bon, j'ai un petit peu de chance dans cette game quand même.
On va pas se remettre full live, de toute manière la wave va être sous tourelle, donc on va la citer tranquillement. Ouais, en fait, vu que j'aurais dû maxer le Z, vu que je vais beaucoup essayer de régène, mettre des trades à ces moments-là, et que je vais partir vitesse d'attaque first, ça aurait été plus rentable de maxer Z dans ce match-up, je pense. Vu que, ouais, on part sur d'abord l'arc courbe, ça sera mieux. Merci, if it hurt. Gob se rend compte qu'à chaque game, au moins, il dit on va pas se plaindre. Oui, j'avoue, je l'ai énormément en ce moment. Mais j'ai plein de tics de langage, je remarque énormément ça, mais je peux pas y faire confiance, c'est pas possible. Ah si, je pense. Enfin, je peux travailler là-dessus, mais. C'est pas simple. C'est pas simple. Oh, y'a plein de bitches, c'est incroyable. Merci beaucoup à vous. Non, j'ai oublié un CS. Ok, je suis level 6, donc on le tue. Il a une côte épineuse, mais on s'en fiche. Ouais, non, mais il va pas arriver. Enfin, il va pas faire le débile en mode. Après, hey. Voilà, il reste à côté de sa tour. Oh, par contre, il y a un Tinks. C'est bon, je tue ça. Oh la vache! Je suis pas bien, les potes. Le gars, c'est l'augmente. Oh, il est passé level 6 dans le pire timing, quoi. Quel enfer! Je pouvais pas m'escape. J'ai vu le level 6, j'ai fait. Compliqué. Te faire l'argent ou les bits? Bah, les deux, c'est de la thune. En vrai, les gens, comme vous le sentez, vous. En vrai, ça reste ok comme trade. Genre, un Sion qui prend des kills, c'est pas trop grave. Un Latrox qui prend des kills, ça peut toujours me permettre de snowball un peu plus l'early game. Et ça me met bien. Ça me met bien pour la suite de la partie. Donc, c'est tranquille. C'est pas dégueu. Ouh. Oh, c'était quand même une belle baffe sans eux. Qui joue Sion, quoi? Tellement OP le perso. Hein. Je veux pas la stit, il le sait. Oh, le cancel d'auto-attaque qui va. Ouais, non, qui va rien faire. Je le tue pas. Il manquait deux autos. J'aurais pas dû claquer mon ult, mais c'est pas grave. Au moins, ça me remet full life avec les potions. Hop, on poke un petit peu. Merci Socrux pour le sub, bienvenue à toi. Ouais, il a dû use ses 3 potes. Là, il faut que j'essaye d'avoir mes stacks. Parfait, il a loupé. Donc là, il faut que je stack à 3 minimum, 4 si on peut. Et on va pouvoir... Ok, pas besoin. Ok, je joue safe. J'ai bientôt mon passif. Pas faya parce qu'avec Glacial Augment, en vrai, c'est dur de dive. Je pense qu'il aurait dû attendre. Il a pas été très patient. Il avait juste à attendre et je pouvais le go sans trop de problèmes. Ok, il le fait juste chier. Ok, il l'a bien fait chier, vu qu'il le tue. Ça fait chier ça, généralement. You said earlier, if you're good in lane, we build BRK. If I'm behind, I go Black Cleaver, right, tank. No, most of the time I will just play BRK, all the trades, like all the matchups, because I like the items. If you're behind on Aatrox, well, that's pretty much GG. On a perdu la toile, c'est chiant.
quelle grosse merde je fais quand je fais des trades comme ça, les gars. On va partir un peu plus loin. Ça peut être pas mal. Ok, la malpush. C'était tellement instructif de te voir jouer, c'est hallucinant. Sérieux? Bon, nice. Bon, là, j'avoue que j'ai juste envie de faire un petit stream. Bon, de toute façon, ça s'entend en musique, hein. Il n'y a pas du brutal death metal of the black of the doom, tu vois. On est resté sur une playlist plutôt chill. That English perfect. En vrai, avec la vidéo qui devrait. Enfin, qui est sûrement déjà sortie sur YouTube, si les gens regardent cette vidéo là, vous aurez un petit aperçu de mon niveau extraordinaire de bilingue, bien sûr. Le death metal hardcore mélodique, exactement. Celui-là même. Ok, à moi de jouer. Ok, pas à moi de jouer. Oh, si, à moi de jouer. Allez, pas à moi de jouer. Hiya! Yeah, that's his moment. Like, I don't know what to do, man. Ah, je peux rien faire. J'aurais dû partir par là, j'aurais dû partir par là. J'étais dans un angle foireux. Très peu de chance que. Ah, oh, quoique. Bah, il a son flash dessus après. C'est mal compliqué d'y aller. Petit don pour le meilleur Atrox World. Rien que ça. Mais merci beaucoup, super gentil. Mais what? Qu'est-ce qu'il a fait le Sion? Genre, c'est trop bizarre. Il s'est offert. Il a fait une bogue. Franchement, j'apprends rien quand je te regarde jouer sur YouTube comme sur Twitch. C'est honnête au moins. C'est honnête, écoute, genre c'est pas mal. C'est mignon. Merci Kinon, c'est ton fulgur. Tu fais pas mal d'abattoirs aujourd'hui. Ouais, vu que j'ai des match-up, ok, genre. Tu as mal eu, je crois. Ah ouais? My bad. Mais non, tu as mal eu, dis juste l'inverse. Ah ok. J'étais en mode. Oh, au moins, écoute, c'est honnête. Pas de problème. Nos sous. J'ai envie de jouer full débile. Enfin, c'est déjà ce que je suis en train de faire, mais. Aïe! Oh, la dernière buff! Le full débile a marché, ouais! Ok, on a l'information que le Wukong n'est pas là. Donc on peut essayer d'amocher un peu. Ouh, j'ai eu un lag. What the fuck? Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ça. On va prendre la T2 en fait, tranquillement. Merci Ishbid. Merci beaucoup pour le resub. Et j'adore ton côté pédagogique, merci Croco. Pour les 200 bits. Il a voulu dire j'apprends rien quand te regardant sur YouTube. Ah ok, ok. My bad, j'avais mal compris alors, ta phrase. C'est tellement agréable à jouer. En fait, quand t'es devant avec Atrox, et avec une petite musique chill, tu kiffes ta vie, tu vois. Faut pas grand chose. Juste, tu passes un bon petit moment là, tranquille. Pépouze sur ta top lane. C'est pas mal. Tu as essayé de Nautilus Top en saison 8? Non, parce que je sais que le perso n'est pas jouable par rapport au peu de dégâts qu'il va avoir par rapport aux autres tanks. Ou la capacité de se faire catch beaucoup plus facilement. Enfin, c'est très très dur de le sortir. Je trouve, de mon point de vue. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Mais Malphite, Malphite est très sympa, hein, genre en ce moment dans la méta, je trouve. Si on s'en bat les... Vu leur composition, on peut s'en battre. On va partir sur la vitesse d'attaque. J'aime bien faire ça maintenant, les berserks. J'ai pas de téléport, mais j'aime bien faire les berserks dernièrement. Casse-toi, tonnerre, c'est moi lane. En fait, c'est pour essayer d'avoir la T2. Je suis vraiment dans une optique de speed push maintenant. Avec Atrox, j'ai constaté que les teamfights c'est pas vraiment le point fort. Enfin bon, on le sait, c'est pas le point fort du perso, sauf pour certaines compos. Mais là, on voit très bien qu'il y a peu de moments où j'aurai une grosse opportunité de faire quelque chose. Oh, Janna, heureusement que ça counter bien. Oh oui, Janna, ça counter tellement bien, Wukong.
Oh, le giga tilt du Wukong, à mon avis, là-dessus. Mais là, on est trop bien en termes de. On est trop bien de comme stuff là. Genre, j'ai tout ce qu'il faut pour burst. Merci Xia TV pour le resub. Après, peut-être que je me trompe, le mec est main top depuis 1000 ans, master de père en fils. Oui, non, mais. Alors, Chal déjà. Mais. Oh merde! J'avais pas vu du tout. Pourtant j'avais bien cru apercevoir un petit truc passer par là, mais j'ai mis mon jump. Oups. Mais what la TP. Mais what la quête, comment se place? Ça s'en bat les couilles. Putain, ça passe. Oh là là, tonnerre. Oui, tonnerre. QQQ tonnerre. Oh, ça suffira pas, dommage. Non, j'ai pas assez de stuff intéressant là. Merci pour Fire pour le sub. Je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Je ne sais plus. Bah du coup, ouais, non, là je fais le coup près noir pour ceux qui se demandent, parce que bah condition c'est bien pour la peine. La peine. Oh, il a un stuff un peu trop lit trop loup, comme dirait Shones. Tonnerre. Ah oui, je disais, même si je connais bien le jeu depuis des années, genre, je peux ne pas tout connaître non plus, tu vois. Genre, il peut y avoir des choses où j'ai tort de temps en temps. Les bercées trolls, les fameuses. Merci Alcyonie. On les connaît maintenant, les bercées trolls. C'est pas le bon build. L'avatar, tu le vends quand? Bah, quand j'ai plus envie de l'avoir dans mon inventaire. Mais si ça change rien de le garder, bah autant le garder, ça apporte un petit peu d'AD. On est 46 d'avance sur la top lane. Autant vous dire qu'on est bien. Le problème, c'est que TP contre leur compo, c'est chaud parce que Caitlyn trappe, Lucian qui boum. En fait, il y a un truc à faire, mais en même temps. C'est chaud, frère. Frère, c'est chaud. Yo, what's up? J'avoue qu'il y a le héros de la faille. Ce petit flash BRKE était tout de même magnifique. Hein. Oh merde. On se remet à dance. Aïe! Mon red bouffe! Et du coup, après, on va partir sur Ginzo pour être full en vitesse d'attaque, en mode gros débile. Ouais, c'était surtout le shield, après le reste je peux me débrouiller, si t'as envie de partir je comprendrai. Oh bah si il reste après c'est plus rapide hein. C'est bien Batrox, mais oui c'est pas mal. Genre j'aime bien mon Batrox. Ah l'enfoiré, il a voulu me piquer mon héros de la faille et tout. Avoue que c'est la meilleure des petites playlists pour jouer à un Trox. C'est trop bien. Enfin quoi, y a pas de pression. Si c'était un match-up tendu, tu vois, ce serait compliqué. Mais là, ça va. Enfin, le match-up est pas si simple, attention, mais c'est jouable. Ouh, ça m'a l'air. Ça m'a l'air la mort. Oui. Effectivement, c'est la mort. Nice troll, guys. Well play. Oula, le Medjay à x0. Oh merde, ça gonna show. Ok, les trappes. You can. Ouais, je pense aussi qu'on peut les stopper. Oh merde. 6000.
Ça va, Bard, c'est pas trop chiant au moins, ça qui est cool. Ok. C'est bon, c'est worse pour nous. 100%. Bard, il m'a saoulé. Bah, du coup, on a le baron sur bah, les trois persos les plus importants. Bon, ça aurait été bien sur moi, mais pour le speed push, mais ça va, c'est pas grave. J'aurais dû évoquer ma merde en même temps. Au moins, on aurait peut-être pu avoir la T2. Je sais pas. Fallait que je me dépêche. Le bard m'a mis tellement mal avant que j'arrive sur le fight et j'avais pas mon passif, donc bon, c'était sûr que j'allais mourir, mais je voulais tenter un maximum de damage. Ce que j'ai réussi à faire, et on a réussi à bien temporiser, donc en soi, c'est pas mauvais. Genre, c'est un bon petit move. Je vais la refaire car ma phrase est... Je vais refaire ma phrase car je ne sais pas écrire. J'apprends énormément en te regardant sur YouTube comme sur Twitch. Mais voilà, mieux tourné. Merci beaucoup, Eliado. Mais ouais, j'avais compris. On m'a expliqué du coup. C'est moi qui comprends mal aussi les choses. T'inquiète pas, y'a pas de soucis. Mais là, ouais, regardez, en vitesse d'attaque, en vrai, on commence à être pas mal. Genre, s'il y a, s'il y a les stack buff, genre, je suis à 1,80, et bon, quand j'aurai le la Ginzo terminée, ce sera... Ça sera de toute beauté, n'est-ce pas? Oui. Maille gelée, Atrox. Non, pas trop nécessaire. C'est mieux de partir tank après. Après avoir 3 items damage. Maille gelée, ça apporte un peu d'HP, mais t'as ce qu'il faut au niveau point de vie avec, avec le reste du stuff, si tu fais du rang 1, visage spirituel, genre de choses, tu vois. Parfait, tout est là. Ok, flash. Et ouais, avec l'ulti en plus, genre... On a une bonne vitesse d'attaque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement perdu dans sa vie, le pauvre. Ok, on va invoquer la mielda. Let's go. Il était tellement perdu, il était en mode gauche, droite. Non, je sais plus le faire de l'eau, putain. Merci, Géo. Hop, on régène un peu. Oh, j'avoue qu'on a même Janna avec Arden Sensor. En vrai, c'est pas tellement le feu. Ah, on prend un inhib là-dessus. J'ai pas trop suivi ce qui se passait, mais ça s'est bien passé. Nice. Ouais, ça a l'air d'être la fin de la game, hein. Voilà, on récupère deux inhibs là-dessus. Putain, la Kayt a cette place. Ok, nice. Et c'est la fin! Nice! Ah, oh, bah une bonne game, ça fait plaisir! Comme on aime! Petit gameplay qu'on apprécie. Oh, chiant. Ah ouais, j'aime bien, en vrai, genre, si vous êtes un joueur d'Aatrox ou vous appréciez en tout cas le champion, contre Sion, vous avez moyen de jouer. Après, Sion Comet est plus compliqué à affronter en early game que Sion Glacial Augment. Mais sinon, ça marche bien, genre, vraiment, je vous conseille le petit perso, il fait plaisir, il fait plaisir. Ah, j'aime bien ce game, j'aime bien. C'est peut-être pas les plus dynamiques, je vous accorde, mais c'est agréable. En vrai, think ça fait... Plus le taf, je pense. On voit l'honneur, lui. Allez. 519 LP, on fait un plus 19. Ça fait vachement plaisir, ça. On a mis des bons dégâts. Du coup, une victoire, une défaite pour l'instant sur le live. Bon, la game d'avant, on a perdu parce qu'on avait un jungle hors méta. Là, ils ont perdu parce qu'ils avaient un jungle hors méta qui ne jouait pas très bien non plus. Je pense que ça n'aide pas. Clairement. Genre, on va dire que c'est compliqué de jouer Wukong jungle, je trouve. Du coup, dans le classement, on est quoi? T'es 99ème place. Tranquille. On est mieux que le top 100, c'est beau.
C'est beau, c'est beau. Bon, du coup, YouTube, des gros bisous. J'espère que vous avez aimé, oui. Vous avez aimé cette petite game chill. Je vous dis à la prochaine.